Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne James Crap. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un haul nose, action et stockomanie. Et oui, j'ai fait un petit tour dans ces trois magasins aujourd'hui. Je me suis juré de plus acheter de choses sur Noël. Mais bon, j'ai craqué. Voilà, quoi vous dire d'autre. J'ai voulu aller chez Nose parce que j'avais vu un haul juste le haul de Dauceline sur Nose. Merci Dauceline, grâce à toi, j'ai fait une razzia chez Nose. Voilà, donc quand tu vas voir ma vidéo, tu vas rigoler. J'y suis allée juste pour une chose et je suis ressortie avec. Laisse tomber. Enfin, alors, donc on va commencer par Nose. J'ai trouvé ces fameux papiers en violet comme ceci. Donc, c'est du papier de qualité. Hein. Ils sont vraiment superbes. Ils font 250 grammes. C'est des cartes qui font 16 sur 16. C'est ça? Oui, 16 sur 16. Donc, ils se plient en deux et ça fait 16 sur 16. Donc, 32 de longueur. Mais quand on le plie, ça fait 16 sur 16. Donc, j'en ai pris deux en violet pour le prix de 1,70. Voilà, ensuite j'ai trouvé des petits rennes comme ça pour habiller donc les boîtes cadeaux. Donc voilà, et vous avez de la ficelle, puis vous entourez donc votre cadeau et puis vous mettez ça dessus. Ça peut faire joli aussi pour habiller la boîte. Voilà, pour habiller le cadeau surtout. Donc j'ai fini par prendre ceci aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu, j'avais fait un petit tuto rapide sur avec des rondins de bois et j'avais justement mis des choses comme ceci pour habiller donc le rondin. Et là ils ont rajouté, enfin je l'avais pas vu. Donc il y a un tag avec donc un design sapin avec une petite boule de Noël et puis un petit nœud en tulle, je crois. Non, en toile de jute, pardon. En toile de jute, ouais. Donc voilà, je trouve. Bon, bah, ça c'était 59 centimes. Voilà. Alors oui, je ne vous ai pas dit le prix pour ce serre. Il était à 1,99 et donc moins 80%. Donc faites le calcul. Voilà. Donc j'en avais pris deux pour deux petites filles. Ensuite, j'ai pris ce petit nœud aussi pour mettre sur des boîtes cadeaux. Voilà. Quand je vais faire mes paquets cadeaux, je vais rajouter ça dessus. Et ce que j'aime beaucoup, il y a une plume ici en or. C'est juste magnifique. Pareil, 59 centimes. Et il me semble que j'en ai pris un autre. Alors, attendez. Sous la main. Tac. Voilà. Voilà. Alors, celui-ci, alors, juste trop beau avec la plume en noir et la pointe en couleur or. Et je vais vous montrer un peu comment ça se présente quand il y a le paquet cadeau. Voilà, avec le fil or. Donc, on entoure la boîte de cadeaux et puis on rajoute ça. Je trouve ça juste magnifique, trop beau. Puis, vous avez aussi la petite boule de Noël, là, comme ça. Et pareil, 59 centimes. C'est juste, vous voyez, c'est pour décorer des boîtes de cadeaux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai trouvé ça aussi donc chez Nose, de la marque Artemio. Donc, c'est des petits... comment ils appellent ça? Des petits boutons en bois. Mimi pour mettre sur une carte, pour faire une fermeture de carte. Attendez, je vais juste faire vite parce que le bruit des sachets, ça fait vraiment trop de bruit. Regardez juste comment là
Il est marqué Joyeux Noël. J'adore, c'est trop beau. En plus, franchement, perfect, oui. Vraiment très joli. Donc vous avez plus de... Alors, si je vous montre pas ça, c'est pas moi, c'est pas possible. Regardez ça. Regardez. Un petit cerf. Alors, celui-là. Ils sont tout beaux les deux. Ils sont trop trop beaux. J'adore. Trop mimi. Donc voilà. Après, vous avez des. Pardon. Des flocons de neige. Je sais pas si on va bien voir avec. Attendez. Comme ça. Non, ce style aussi. Trop joli. Puis après, vous en avez des petits. C'est juste trop mimi, vous voyez, pour fermer une enveloppe ou. Voilà, ce que vous voulez. Donc, je trouve ça vraiment parfait. Alors. Et donc, à 1,50 € de la marque Artemio. Ensuite, alors. Merci, Docine. Voilà pourquoi je suis partie chez Noz. Quand j'ai vu son haul, j'ai craqué. J'ai dit, ah oui, j'espère les trouver. Puis, en final, oui, je les ai trouvés. Voilà, à 79 centimes. Donc, c'est des pochoirs, hein, tout ça. Enfin, donc, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se présente sur une carte. Voilà, avec des étoiles. Des flocons de neige, des étoiles. Des étoiles, voilà. Et voilà le pochoir. Il est derrière. Il est vraiment grand. Hein, vraiment. Trop beau, trop beau, trop beau. Vous voyez ça un peu? Et là, meilleurs vœux. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Une fois une carte finie. Oh là là, je suis trop contente. Faire ça avec. Oh là là, trop joli. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, je ne devais rien acheter sur le thème de Noël. Mais là, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, oh, je vais faire quand même un petit tour si ça se trouve. Je vais pouvoir trouver les choses. Sympatoche. Donc, bah oui, qui dit Noël, dit gros lot, qui dit rose gold, bah, dit James Crap. Voilà, donc j'ai pris des gros lots. Voilà, en rose gold comme ça, trop joli. À 99 centimes, donc je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais il y en a pas mal. Voilà, j'en ai pris qu'une boîte parce que il y avait plusieurs couleurs, mais bon, je me suis dit, comme j'en ai en argent, or, je me suis dit, cette couleur, je l'avais pas. Voilà, donc je me suis empressée de prendre cette couleur. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des grands tags comme ça en bois, juste magnifique. Magie de Noël. Donc à l'intérieur, vous en avez trois. C'est juste, bah, écoutez, hein, trop mimi. Ça, pareil pour mes cadeaux quand je vais les emballer. Ben, je vais mettre un tag dessus et je vais le customiser un petit peu. Je vais mettre un petit peu. Je vais ancrer les contours. Je vais ancrer puis je vais mettre un petit peu de paillettes pour donner un petit coup de peps au tag, quoi. Voilà. Voilà. Donc pour 1,20 €. Donc ça, par contre, j'en ai pris deux. Il y en a trois dedans. Donc ça m'en fait 6. Et voilà. J'ai pas mal de paquets cadeaux à faire. Je vous en parle même pas. Donc voilà, j'en ai pris deux. 2 minutes. Avant que ça refroidisse. Oh, il est déjà froid. Ouf. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bon, rien à voir avec le scrap. J'ai pris juste des fourchettes en plastique. Un peu stylées, on va dire. Parce que, bon, bah, souvent, moi, je prends mon repas au travail, donc je les ai trouvés super sympas, c'est en plastique et puis c'est même peut-être même lavable, je sais pas, table de luxe on dit, bon bref, moi je mais voilà, donc j'ai pris ça et puis des petites cuillères aussi pour mes yaourts quand je prends mon repas, voilà, rien à voir. ensuite, alors j'ai trouvé juste magnifique ce ruban, il
il est à 80%, moins de 80%, donc il est à 3,59€. Regardez ça. Alors, bien évidemment, hein, alors je sais pas si on va bien le voir. Si je... Oh, mais cette lumière là, voilà, regardez ça, juste magnifique, magnifique, magnifique en rose et sapin blanc avec de la neige. En plus, il est assez large. Là, je sais pas s'ils disent donc il y a. Il y a 3 mètres, pardon. Il y a 3 mètres, ouais. Il y a 3 mètres à l'intérieur. Ah ouais, puis en plus, les sapins, ils seront pailletés. Juste... Oh, mais je sais pas si... Oh, mais pourquoi ils sont, quoi ? Cette lumière blanche, là, qui éclaire trop le... Pailleté, là. Et il y a comme un... Comment on appelle ça ? Comme un peu, c'est un peu en relief, on va dire. Ouais. Voilà, donc à moins 80% sur 3,59€. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors, vous allez me dire, on peut les faire les cartes, certes. Mais ce style de carte, j'aimais beaucoup. Avec ce petit papillon, juste marqué thank you. Franchement, j'ai craqué. Et je vais vous montrer ça pour 79 centimes. Dedans, vous en avez combien ? 16. Vous en avez 16. Et juste parfait. Non. En plus, avec ces petites cartes comme ça, je trouve ça trop mignon. Ah ouais, elles sont magnifiques. J'adore. Et c'est trop mignon. Juste pour remercier une personne, voilà, avec sa petite enveloppe. Elle est juste mimi, vraiment... trop adorable, vraiment. Attendez. Regardez. Voyez. C'est trop joli. Et puis, bien sûr, un rose, comme j'aime, les couleurs que j'aime, donc violet. Voilà. Et donc, il y en a 16. Et c'est juste parfait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, juste pour marquer un petit mot, vite fait. Voilà, pour remercier quelqu'un et tout ça, vite fait, quand on n'a pas le temps de faire une carte. Bon, on peut toujours customiser l'enveloppe, mais bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, ensuite, j'ai trouvé des perforatrices. Bah, franchement, j'étais contente. J'étais contente. À 1,99€, des perforatrices comme ceci. Donc, en violet. Donc en violet et donc avec cette feuille, voilà, comme quand des fois au lieu de sortir ma toga ou ma Gemini, et ben voilà, juste pour avoir une petite feuille comme ça, je perfore et c'est fait. J'ai pris cette perforatrice aussi, pareil, au même prix, à 1,99€. Voilà. J'ai pris cette perforatrice étoile. Voilà, pareil. Au même prix, à 99. Franchement, ça vaut le coup. Hein. En plus, c'est des grosses perfos. Attendez, je crois que si j'en ouvre un pour vous montrer, juste, je vais vous montrer la taille de la. Bon, ça est trop dur. Je ne suis pas dans mon. Bureau, j'ai pris, alors ça j'ai craqué, voilà, j'ai craqué pour ça parce que c'est un petit nounours et comme je dois faire une petite carte pour une naissance, pour une petite fille, donc je me suis dit pourquoi pas prendre ce petit ourson là comme ça, voilà. Et en plus de ça, regardez ce que j'ai trouvé. C'est juste parfait. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas chez... Bon, c'est un petit lapin, mais bon. Chez Action. Ah si, il y a le nounours aussi. Donc, il y a un lapin, nounours. J'ai trouvé ceci. Et donc, vous voyez, il y a des petits nounours, des petits lapins, des petits cœurs.
Donc c'est des, c'est adhésif, hein. Et j'ai trouvé ça trop mini parce que pour faire des cartes de naissance avec du papier, bon, je l'ouvre, c'est pas grave. Regardez. Juste trop mimi pour faire une petite créa avec. Même quitte à couper le nounours avec et coller, voyez, avec une perfo et tout. Enfin, avec un taille, un dial, un rond. Voilà. Faire une découpe avec un dial, franchement, ça peut le faire. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Ça, c'est chez Action. Oh, ça n'a rien à voir. C'était juste pour vous montrer que j'avais pris ça et puis j'avais trouvé ça à côté. Donc c'était parfait. Ensuite, ah oui, alors, j'ai pris donc ce ruban comme ça pour le printemps. On est encore loin, mais bon, comme j'ai trouvé joli et puis pas cher et puis qu'il était assez large et qu'il y en avait pas mal, parce qu'il ne marque pas les combien il y en a. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Alors, ça fait 4 cm et il y a 10 mètres. Non. Ah bon? Ouais, bon. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est des... Voilà. Voilà. Juste trop joli. Rose et... Avec des marguerites ou... Voilà. Voilà, des pâquerettes ou des marguerites. Bref, et pour le prix de 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé ce petit ange, trop mimi, comme ça. Voilà, à 1,99 aussi. Donc voilà pour les perfos, je crois. Ouais. Ah non, non. Ah oui, alors ça, j'ai trop aimé aussi. Il y a cette perfo ici avec donc un papillon et au centre une petite fille. Une petite fille, une femme, une demoiselle. Voilà. Trop mignon. Trop joli. Voilà. Donc là, vous entendez un peu de bruit, c'est normal. C'est normal. C'est normal. J'ai pris des petites bouteilles en bleu. Donc j'en ai pris 6, il me semble. C'est pas que je les casse. Hein, parce que... Donc c'est pour faire des petits vases. Pour faire des vases en fait. Et pourquoi en bleu? Parce que je suis. C'est pour mon travail. Et on doit faire un thème bleu, blanc, rouge. Pour Téléthon, voilà. Donc je me suis dit, la bouteille sera en bleu, la déco ici sera en blanc, et je ferai une fleur en rouge. Et comme ça, ça fera le petit vase bleu, blanc, rouge, voilà. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc j'en ai pris 6, et ça suffit parce que j'ai fait plein de choses aussi. Parce que je vais, en fait, je fais 6 par 6, 6 vases. J'ai fait 6 cartes avec des bougies intégrées. Avec des bougies pareilles en bleu, blanc, rouge. J'ai fait pas mal de choses. Je vous montrerai une fois que j'aurai tout fini. Je vous montrerai ce que j'ai fait avec ces bouteilles. Et ce que j'ai déjà fait avec les bougies en bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc j'ai pris ça et ces verres-là, c'est 50 centimes. Donc il ne me reste plus qu'à les customiser. Pour ça, c'est pour Téléthon. Voilà. Ensuite. Bah écoutez, pour nous, on va dire que c'est bon. Là, il n'y a plus rien. C'est juste mon gilet qui est à l'intérieur. Ah si, si, attendez, c'est pas fini. Il y en a un qui est tombé là. J'ai trouvé des petites étiquettes donc en forme de tag. À 79 centimes. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits messages. Alors, je vais vous lire les messages. Donc, il y a... Oh oui, alors, faut vraiment voir de... Oula, c'est... Pour moi, c'est trop petit. Bon, là, c'est petit pour moi. Bon, il y a un joyeux Noël, un meilleur vœu, de l'amour dans les chaumières,
plaisir d'hiver, plaisir d'offrir. Bon, je vais vous faire montrer parce que ici, là j'aurais pu, mais de la part du Père Noël. Et là, c'est vraiment rien que pour toi. Après, il y a des sapins. Plaisir d'offrir, je l'ai dit. Là, ok, c'est ce que je vous ai dit, mais là, je ne vois rien. Bon, tu me mets des loulous. Oh, je vais juste vous ouvrir juste pour vous montrer. Et je trouve trop joli. En gris blanc, comme ça, c'est juste parfait. Donc là, il y a plaisir d'offrir. Il y a un petit sapin. Pareil, plaisir d'offrir. Ensuite, une toute petite attention. Avec deux petits oiseaux, trop mignons. Que votre Noël soit scintillant. Avec tout mon amour. Meilleurs vœux. Ensuite, joyeuses fêtes et de fin d'année. Joyeuses fêtes de fin d'année, pardon. De la part du Père Noël, j'adore. C'est trop mimi. Donc, de l'amour dans les chaumières. Voilà. Ensuite, rien que pour toi. Oh, trop beau, j'adore. Trop mimi. Ici, alors celui-là. Noël sous son joli manteau blanc. Et j'adore les excès. Franchement, j'adore. Ne pas ouvrir avant le 25 décembre et insère avec le sapin, je trouve ça trop beau. J'ai obligé de le mettre de travers parce que sinon, et là vous avez la biche, les serres et le raid. Enfin, trop joli. Joyeux Noël, c'est magnifique, vraiment trop beau. Donc voilà, et pour le prix de 79 centimes. Ça va, donc toujours chez Noz et de la marque Artemio. Donc il y en avait pas mal hein, de ces tags. Bon, j'ai pris qu'un paquet parce que je me dis c'est bon avec tout ce que j'ai. Voilà, je me répète, mais je rachète. Donc voilà. Donc ce que je vais faire pour le coup, je vais tout ranger. J'en ai pas pour longtemps. Je vais juste débarrasser ça. Désolé. Faire vite. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Ça va là. Les bouteilles, on va les mettre dedans. Puis, ce qui est bien, c'est que j'ai mis mon gilet à l'intérieur pour faire que les bouteilles cassent. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, pour le coup, ça, c'est bon. Ah oui, j'avais trouvé aussi ceci chez nous, rien à voir, c'est une petite tasse qui est en biseau, en fait, qui est penchée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez cette tasse. Regardez cette tasse. Vous voyez, ici. J'ai trouvé juste trop mimi, trop design, trop joli et très original surtout. Donc je l'ai prise et puis je me suis dit, tiens, mais après j'ai voulu tester pour voir si mieux. En fait, il faut mettre ses lèvres ici. Pour boire. Donc moi, si je fais ça dans ça, je vais pas boire comme ça. Donc je me suis dit bon, je testerai, mais bon, alors ma foi si ça me gêne, et ben je me servirai comme pour mettre du lait quand je reçois une ou deux personnes, mettre un petit peu de lait, puis voilà, je me servirai pour ça sinon, pour le prix de 99 centimes. Mais bon, faut que je teste. J'ai trouvé ça trop mini. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer chez Action. Alors, Action, hein, j'ai pas trouvé grand chose. Donc, comme j'ai commencé tout à l'heure par ces rouleaux, donc j'ai pris celui-ci, hein, je vous ai montré. Voilà, je vous remontre. En rouge, hein, en rose, pardon. Un peu fuchsia.
Là, c'est un rose, on va dire un rose un peu violet. Voilà, c'est plus violet. Ouais, on va dire ça. Parce que dans la caméra, ça fait violet, mais voilà, moi, quand je le vois, ça fait rose. Rose violet, ouais, bon, vous voyez. Et là, j'ai le rose gold. Voilà, j'ai pris ça. Donc, bah, c'est des rouleaux adhésifs. Hein. Ils font 140 sur 25. Donc là, voilà. 1m40 sur 25 cm. Voilà. Et merci encore, Doceline. Parce que, bah oui, hein, je suis partie pour ça. Puisque moi, je les avais pas. Donc, je suis partie pour ça. Voilà. Pour le vélo. Parce que voilà, j'avais besoin d'un vélo. Pour faire une carte vélo pour une personne qui fait que du vélo. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai pris bien sûr ceci. La tour Eiffel. Voilà. Big Ben. Un avion, les nuages, avec le Dyson, juste trop bien, la statue de la liberté, trop trop bien, et puis j'ai pris ceci, voilà, des feuillages, alors c'est quoi comme feuillage, attendez, ouais c'est des feuillages, voilà, j'ai pris ceci. Voilà, bah, en fait, il y avait que ces trois-là, enfin ces trois-là, il y avait que ces trois modèles. Je ne sais pas si il y en a combien normalement. Ils disent ou pas? Ah oui, c'est 3, 5, 1. Ah oui, donc il manque le 2, il manque le 4, 5. Il doit y avoir un 6 alors. Là, j'ai le 1, le 3 et le 5. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas vu d'autres, les autres, j'ai trouvé que ça. Et il y avait que ça. Il était en trip même, et c'était toujours le même. Donc voilà, et j'ai trouvé ces fameux petits carnets, mais j'en ai trouvé que deux. Voilà, donc j'ai trouvé cela, voilà, qu'on a vu hein, dans les halls. Voilà, j'ai trouvé celui-là et j'ai trouvé celui-là. J'aime bien cette forme-là, comme ça. Trop joli, trop joli. Voilà, c'est les deux que j'ai trouvé et je pense que. Voilà, là. Bon, après, si je trouve d'autres formes, ok, mais bon. Je suis contente, déjà, j'ai trouvé ces deux-là. C'est parfait. Parfait, parfait. Puis en plus, là, il y a du mauve, là. Il y a un peu de gris, il y a du bleu. Bon, comme je vous dis, ce vert, c'est. Voilà. Mais c'est joli. À force, je m'habitue à ce verre. Enfin. Donc, voilà pour... ah oui, Estocomanie. Alors là, pour le coup, je vais vous dire sincèrement, j'étais trop contente parce que j'ai trouvé une boîte, enfin une boîte, comme une vanity, pour mettre son maquillage à la base. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente. Je vais lever un tout petit peu la caméra. Voilà. Hop, hop, hop. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Je vais juste caler. Non, c'est bon. Donc, voilà. J'ai trouvé ceci. C'est une petite vanity toute mini qui s'ouvre juste... Alors, franchement, elle n'est pas chère du tout. Je l'ai payée... 9,90€, donc même 9,90€, même pas 10€, 10 centimes, allez, mais voilà, moins de 10€, regardez-moi ça, oh, j'ai mis mon café, ah oui, c'est vrai, j'avais mis des choses aussi dedans pour porter, parce qu'il n'y avait plus de place dans mon sac, alors, et j'ai trouvé ça aussi. Donc ça, c'est le café pour mon travail. Et j'ai trouvé ça. Hop. Donc, à 99 centimes, une petite boîte comme ceci. En fait, je l'ai prise parce que c'est tout simple.
j'en voulais une toute petite pour voir juste ce que ça donnait, pour pouvoir intégrer un petit cadeau à l'intérieur. Voilà, donc à 99 centimes. Et j'ai pris ça pour ma choupette. Donc regardez ce qu'il y a marqué. Je vais vous le lire parce que joyeux Noël, ma maîtresse que j'aime. Voilà. Regardez. C'est pas trop mimi. Et là, pareil, 99 centimes. Donc je lui ai pris ça pour qu'elle lui offre un petit cadeau. Voilà. Donc quoi, je ne sais pas encore. Mais j'ai trouvé juste trop mimi. Voilà. Et donc, voyez, regardez cette boîte, elle est juste parfaite. Alors moi qui avais une machine, vous savez, la machine Button Press, je me suis dit, je vais la mettre à l'intérieur et mettre tous mes petits accessoires qui vont avec à l'intérieur. Et comme ça, ça me prendra moins de place dans ma chambre et tout, enfin dans ma chambre, dans ma scrap room, parce que je me dis... de le laisser dans la boîte, et puis en fait, il y a sa boîte, plus les autres boîtes, des inserts. Donc là, je pourrais les mettre ici, à l'intérieur, et aussi, si je peux éventuellement mettre non seulement la button press à l'intérieur, mais aussi la machine à boutons, à perles. Puis là, je pourrais mettre, voilà, regardez, ici, à la base, c'est une boîte... c'est une boîte pour mettre, comment on appelle ça, ah, puis elle s'enlève aussi. Ah, c'est terrible, regardez. Je peux même l'enlever. Ah, c'est génial. C'est pour mettre, comment on appelle ça, c'est une vanity, tout simplement, pour maquillage, à la base. Mais je la trouve super sympathique. En plus, vous avez la sangle qui va avec et tout. Pour le prix de 9,99€. Quand je l'ai vu, bien évidemment, j'ai craqué. Je me suis dit, c'est très bien pour mettre ma petite machine à l'intérieur. Comme ça, je sais qu'elle est là et elle ne prend pas de place. Il y aura tout à l'intérieur et je pourrai jeter les cartons. Voilà. Bah écoutez, et puis bon, moi j'ai pris du café. Ça, c'est pour le boulot. Voilà. Voilà pour mon rôle de chez Noz, Action et Stockomanie. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. James Crab vous fait plein de gros bisous et vous dis à bientôt. Ciao, ciao.